Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Yo petit pas, c'est vrai qu'on a une nouvelle vidéo sur Clash Royale. J'ai une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit deck pour tour mondial. Qui bien. Et bien c'est le dernier deck que je jouerai qui n'est pas tryhard, parce qu'après je tryhard. Avec le PK Brick Spam, les gars, le PK Brick Spam, très très fort d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais avec une boule de feu. Voilà, les gars, pour la vidéo commence, les gars, n'hésite pas à s'abonner, à acheter le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et merci à tous ceux qui le feront, les gars. Allez, on s'ouvre tout ça. Allez, la légendaire, là, on y croit plus. Ok, bon, bah, c'est parti, les gars. Donc n'oubliez pas, on s'abonne, on fait un petit pouce bleu, voilà. Ok, on va essayer de vous résoudre directement. C'est parti, on commence à jouer skill évidemment. Voilà. PK. Gérer ses barbites. Ok, très bien. On va aller poser un archer magique, je pense, ouais. On a le zap hein, pour s'il a un masculin ou je sais pas quoi. Le cheucheux qu'on va aussi aller zap. Nickel. Là on va les fantômes. Hein. Ok, il y a des barbares. Ouf, ça genre peut-être pas du fantôme du coup. C'est une erreur de ma part là. Je pense que je vais prendre deux, juste boule de feu. Oh putain, c'est une blague. Est-ce que je vais faire la kite? Ouais, je veux la kite. Venez là. Hop. Mais ça quête 3 gargouilles, tant mieux. Ok, nickel, la voleuse qui dash. Ça m'arrange, hein. Non, ça m'arrange que la voleuse dash. Prends cher. Ok, bon. Non, je sais ce qu'il joue. Je sais comment défendre. Très bien. On ne devrait plus prendre trop de dégâts. On va mettre ça, mais je sais qu'il va mettre son cochon de côté. Ok. Très intéressant. Ouais, peut-être mettre un archer magique ici. Hein. Et ouais. On va aller mettre ça tranquillement. Sans voir ce qu'il fait. Touche la tour. Hein. Tout bon. Tout cool ça. Je vais juste défendre avec un fantôme en vrai. Ouais. Fantôme qui va faire le taf. Hein. Il va faire des dégâts zone et ça va genre tout clear. De la voleuse pour les dash. Non. Ok, là on va pas partir en PK fond de map à gauche. Hein. Et il va défendre avec des barbares d'élite. Ça c'est problématique ça. C'est même très très problématique je dirais. Hop, là, on peut mettre un petit sorcier électrique pour prendre des dégâts. Mais l'arche magique encore une fois. Hein. L'arche magique qui va sûrement carry. Hein. Pour lutter pour qu'il carry cette game. Oh il a été. Oh toi mon pote. Oh toi mon frérot. C'est violent. Et on peut tenter un pré-shot de. Je sais pas ce qu'il peut mettre, mais je sais qu'il va mettre un truc. Non même pas. Ok. Ok. Bien. Juste zap ça. Oh il est bien joué. Il a mis le cochon là où je m'y attendais pas. Oh non, il y a une boule de feu. Oh la défaite, conne. Oh, je suis un bouffon. Il avait une boule de feu. Ouais, j'ai fait une erreur. Ouais, bah, c'est full my bad, c'est là. Full my bad. C'est pas grave, les gars, on perd pas espoir. Hein. Ok, fantôme. Oh putain. Ok, mets de l'archer. Oh, sérieux. Ok. Ça va, la défense qui reste clean. Voilà, on met le fantôme. Par contre, là, on met direct le fantôme. Hein. On n'a pas peur de mettre la pression. Quel bouffon. Là du coup, ouais, c'est un peu agressif ce que je fais, mais bon.
Allez, je vous montre comment on fait une défense comme ça. C'est le tas de prince qui court derrière. C'est trop drôle. C'est moins drôle ça, un peu. Nice. Ça cancelle le dash. Nickel. Oh là là. Oh, la voleuse qui fait une masterclass là. Merde, ça one-shot pas. Putain, bouffon. Moi, je vais mettre un fantôme. Le fantôme qui a l'air de bien me saouler. Hein. Et là, pas boule de ça. Hein. Un boule de feu. Je vais chercher magique, je pense. Ici, pas prendre trop de dégâts ici. Ouais, ça va être chill. Et on prend un petit coup. Non, je peux PK au point. Voilà. Oh, c'est une putain d'idée, ça. J'avais oublié ça. Putain, je suis dans la sauce. J'avais tellement oublié ça, en fait. Donc, moi, j'ai une boule de feu, une bonne boule de feu, là. Nickel. Ouais, le fantôme qui est efficace contre le la foreuse. Là, on peut péquer au mid directement. On prend nos responsabilités, les gars. Il y a des recrues, hein. J'ai pas oublié, les gars, vous inquiétez pas. J'ai pas oublié qu'il y a des recrues. J'aurais pu boule de feu à la nuit sorcière, mais je préfère boule de feu ça. Peut-être du boule de feu à la nuit sorcière. Le fantôme qui va gérer, hein. Le fantôme qui va faire le taf. Fantôme très bonne carte. Hein. Ok, nickel. Première win. Facile, non. Facile. Ok, nickel. Ok, contre Kuringo. On va fantôme first play. Tac, on prépare notre zap, ok, on vient de pas débattre. Ok, ouais. Ok, très bien, un petit lockbait. Un petit looter quoi. Rien. Oh, mais j'ai jamais passé. Non, il n'y a plus de princesse, le fieu gobelin. Oh, parfait. Plus zap. Nickel. Là, on veut. Je peux payer. Il n'a plus de princesse, il n'a plus de fée gobelin, il n'a plus rien de la pression, il va devoir full def. Et là, mais si c'est une princesse, je suis bien. Il a l'air un Valkyrie, très bien. Là, on peut tenter un petit archer là. Le petit archer se tente, ok. Petit archer se tentait, oh, il se tente toujours. Là, on peut, oh bah, dommage. On peut spam. Ça s'appelle pas un Pégaspam spam pour rien, hein. Moi je vous le dis. S'appelle pas un Pégaspam spam pour rien. Ouais, il a pris très cher de deux côtés, hein. Ça m'a arrangé énormément. Il va mettre un sens électrique pour tout défendre. Ok, ça c'est très bien, je sais pas par contre. Ok. On a pris une avance qui est insane. Ah ouais, on va se parfaire, hein, nickel. On a deux tours à 700 HP. Donner une tour qui n'avait pas été touchée, l'autre qui a 1700 HP, donc ça va, on est plutôt bien. Je me vois mal me perdre la game. Là, c'est une prince au pont, on peut directement archer magique. Voilà, nickel. Je savais qu'il allait faire ça. Ça fait gratter deux coups. Et on en gratte encore. Bon. Petit dernier. Ok, c'est pas grave. On peut ramper qu'à fond de map tranquillement. On va partir en voleuse ici. Là, on prend un électro sorcier tranquillement. Là, on met le fantôme. Ok, là, c'est parfait. Marché magique plus bas. On va les zapper tout ça. Il le sait, hein. Il le sait que ça ne met que la T2 ne met pas bien. Voilà, on va juste boule death cycle. On a juste à full tempo. Ok, on préchote la princesse. Pas grave, on met un petit coup d'archer, nickel. On va mettre un fantôme pour mettre la pression, on met un archer.
Même le sas électrique. Et là, on a la boule de feu dans la main. Nickel. Nous avons les deux tours. Et de game. Prenons cette win contre un Art Hunter. Mec a extrêmement mal joué lui. Tant mieux, ça m'arrange. Hop, c'est parti. Huitième. Non, pas huitième game du coup. J'ai pu compter. Onzième game, je crois. Et la fourreuse en dehors, malheureusement, laisser connecter l'esprit, mais c'est pas grave. Nickel. Un tablier de pression pour mettre de l'autre côté tranquillement. Alors, il a l'air de savoir jouer le deck, putain. Ouais, PK. Si fourreux, j'ai ce qu'il faut. Oh oui, il fourreuse de ce côté. C'est nickel. Oh, ça c'est parfait. Oh, je me mets trop bien sur ce coup par contre. Ok, on va prendre pas mal de dommages. Et là, les gars, on a un bon contre-push. Moi, je vous le dis, là, on va mettre une masse dégâts. Là, c'est quasiment sûr. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai pas tant force de ce côté. Et que là, faut mettre juste une double pression en fait. C'est juste ça, c'est là. Je pense. C'est juste la putain de clé en fait. Mettre une fucking double pression. Genre un PK, un archer. Ça me paraît assez correct. Et là, de l'autre côté, on met bélier, voleuse et fantôme. Il a très très bien défendu par contre. Il a fait une bonne défense. Hein. J'ai pas plus forcé que ça. On va laisser le bomber connecté. Ça aussi, met une fourreuse. On met une fourreuse de l'autre côté. Donc on va pas défendre. Hein. Ok, évidemment. Là, on peut tout simplement aller zap tout ça pour prendre un coup. Là, il a plus de fourreuse. Les sapeurs. Je peux pas les mettre tout de suite qui viennent les jouer. Là, s'il sapeur, je peux fantôme directement. Ok, très bien. Il préfère rester sur la défensive, tant mieux. Là, nous avons un Nexir x2, les amis. Là, ça va faire mal. Moi, je vous dis, ok, nickel, parfait. Il me donne le value de fantôme. Parfait. Là, on peut mettre la voleuse. On peut mettre le bélier aussi. On peut tout mettre. Hein. Là, les gars, c'est le moment de spam. Ok, là, on a une très très bonne boule de feu ici pour le bomber. On va mettre pas mal de dégâts. Hein. Nickel. On va mettre le piqué ici pour les défendre. Ok, là, j'ai fait. Là, il a bien joué. Je vais tenter un zap, on va tenter de prendre une seule connexion, c'est déjà beaucoup. Ouais, malheureusement les gobelins qui connectent, hein. Et ça je peux malheureusement rien faire. Là c'est le spam ou rien les gars. Là je vous dis c'est le spam ou rien là. Ah les gars, moi je vous dis c'est le spam ou rien ici. Ah ouais putain, j'ai oublié qu'il y avait une boule de feu. Ah il savait jouer le deck le mec. Ouais, il avait un bon matchup, il sait jouer le deck. Ce deck ultra no skill en ouais, je pense que le tournage est carrément fail là. Petit fantôme ou du golem. Ouais, j'ai fait de la merde là, ouais. C'était pas ouf ce que j'ai fait, j'avoue. J'avoue, c'était pas ouf. Et on peut mettre un zap, puis on va prendre 0 dégâts. C'est pas mal, hein. Bah, il golem, évidemment, on peut PK nous. Ok, il prend, c'est très bien. In a Twitch, très bien. Et très bien, peut-être un petit fantôme. Ok, ça reste solide ma défense.
Fouille, ok. Ok, là on peut mettre une pression. Ça va connecter, hein. Ça va faire mal. Il connaît, et oui, il a le trait tour du roi. Mais frérot, c'est ça quoi d'être une tour du roi quand il y a une tour qui est quasiment morte? Ça sert à rien. Et oui. On va mettre un fantôme en pression s'il met un golem. Il prince. Alors, ça c'est cool. Il y a un boule de feu. La boule de feu, puis on va pouvoir zap. C'est de l'archer connect. C'est plutôt pas mal. On peut mettre. Merde, j'ai pas fait exprès, j'ai mis clic. Je vais pas mettre ça, je vous jure, je vais pas mettre ça. Wall là. Ok. Là, faut économiser à fond les dommages. Des couillons. La défense c'était insane, bah, sachez-le. Oh, la défense solide, hein. La défense les gars, solide, solide de ouf. Très très solide la défense. On va prendre cette petite couronne. Oh les gars! Bah les gars, si vous êtes arrivé jusque là déjà, vous êtes les boss. N'hésitez pas à dire, t'es nul, mais t'as de la chance, pour une fois. Bon, enfin, mon tournoi, en tous les cas, est totalement faillant. Totalement faillant. Totalement faillant. Ok, bon. Les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et à jeter si vous pouvez vous faire plaisir à ceux qui feront, mais c'était vrai coup. Ciao.